Bonsoir à tous, où que vous vous trouvez. Aujourd'hui, pour ce nouveau webinaire, nous avons le grand plaisir d'accueillir Nathalie Ducrot, qui va nous parler de motivation essentielle et coaching, comment réussir à se motiver pour réussir. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Yotis, quel plaisir. Nathalie, je suis toujours très heureux d'accueillir un nouvel orateur. Mais avec toi, c'est particulier car c'est la seconde fois que je te reçois. Et pour ceux qui nous suivent depuis le début, tu as été d'une certaine manière ma marraine des webinaires. Car c'est avec toi que j'ai commencé cette belle aventure chez ICF Synergie. C'était il y a presque 2 ans et demi déjà. Eh oui, le temps a vite passé, Meyotis. Je dirais que tu as aussi été mon parrain de webinaire parce que c'était le premier que je faisais. Donc, on était deux jeunes débutants et maintenant, nous sommes de vrais grands débutants aussi. Mais j'ai jamais eu l'impression que tu étais débutant dans ce moment-là. J'ai toujours pensé que tu étais mon soutien. Donc, bravo pour toute cette persévérance et ce succès bien reconnu maintenant. Bravo à tous d'être en ligne maintenant. Il faut savoir que toute cette équipe de Synergie, même si Yotis n'avait pas du tout prévu que je dise ça, c'est vraiment une équipe fabuleuse qui a des réussites extraordinaires. Donc, merci à eux et merci à toi, Yotis, d'avoir été là il y a 2 ans et quelques mois et d'être là ce soir. Merci beaucoup, Nathalie. Alors, Nathalie Ducrot, tu es master coach certifié ICF. Tu es entrée dans le monde du travail après des études en philosophie et en relations internationales. Depuis plus de 10 ans, tu t'impliques au sein de l'ICF sous diverses casquettes, dont celle de présidente pour l'ICF Suisse jusqu'en 2017. Tu es actuellement active en tant qu'assesseur pour les niveaux d'accréditation PCC et MCC et contribues à une réflexion sur le métier de coach et les compétences clés. Tu as successivement passé des accréditations ICF jusqu'à validation du MCC, un master leadership et communication, un diplôme international de superviseur et même un diplôme fédéral suisse de superviseur coach et est reconnu comme mentor coach. Tu fondes une société de services de développement des personnes et des organisations basées à Genève, ProOptim, littéralement optimisme pour les professionnels. Tu as une expérience concrète du leadership, de l'optimisation des talents et des équipes, et surtout une conscience claire du lien entre énergie, plaisir et performance. Ce sont de lourdes épreuves personnelles, le deuil, la maladie, qui ont renforcé ton coaching de la motivation engagement et de la motivation essentielle pour des leaders motivants et porteurs de sens. La curiosité pour les sciences humaines te stimule depuis longtemps à explorer de nombreuses disciplines et à les intégrer avec passion à ta pratique. Avec rigueur et créativité, tu élabores une combinaison unique des apports des neurosciences, de la psychologie positive et de l'approche systémique pour aider tes clients à mobiliser leurs meilleures ressources. Tu interviens dans des environnements très variés, comme entre autres la finance, le médical ou des organisations gouvernementales, ainsi que dans l'humanitaire, comme les agences de l'ONU. Dans un esprit de développement continu, tu finalises en ce moment une certification dans le domaine de la complexité des systèmes. Tu es également l'auteur de plusieurs livres sur la motivation, le coaching, le mieux-être au travail, également conférencière. Tu partages ton enthousiasme pour les talents humains, comme dans ton récent TED Talk au sujet de l'optimisme de culture que vous pouvez retrouver sur YouTube et que je vous invite à regarder. Alors Nathalie, maintenant qu'on te connaît un peu mieux, que pourrais-tu rajouter pour que l'on puisse en savoir davantage sur toi? Eh bien, Yotis, je voudrais partager que j'ai le goût du paradoxe. Je vis dans le dialogue permanent, l'échange des mots de toutes les façons possibles fait partie de mon quotidien et je me ressource dans le silence. Je vais régulièrement me ressourcer dans des monastères où je fais des retraites de silence et également dans à peu près tous les déserts du monde où j'aime passer des grands moments à être entre ciel et sable, à goûter l'instant présent et la connexion à cette magnifique planète que j'adore. Voilà.
Merci beaucoup, Nathalie. Alors, tu vas nous parler de motivation essentielle et de coaching. Qu'est-ce qui t'a poussé à nous proposer ce sujet plutôt qu'un autre? La motivation essentielle, c'est ma respiration quotidienne. Et c'est justement ce qui me donne le goût de l'achèvement, de la capacité à surmonter les difficultés. Et des difficultés, c'est ce que toute vie traverse. Donc j'aimerais pouvoir partager cette sérénité, cet apaisement qu'on a en travaillant sa propre motivation essentielle, en aidant ses clients à la travailler également et en ayant la conviction qu'avec cet ingrédient dans la dimension du coaching, on se met vraiment au service de l'humanité et de son évolution. Imaginez si tout le monde avait ce degré extra de motivation en plus pour s'engager pour les grandes causes si urgentes que nous avons à relever maintenant, les défis climatiques, les défis sociaux, les défis politiques. Cette cohabitation dans la paix et dans l'harmonie entre humains, ce serait tellement merveilleux. Donc, je crois que ça vaut la peine de parler d'un sujet comme ça. Merci Nathalie, je t'invite à commencer ta présentation et moi, pendant ce temps, je m'éclipse. Merci, Yotis. À nouveau, un grand bonsoir à toutes et à tous, à tous ceux et celles que je connais et qui m'ont fait des signes personnel et à tous ceux et celles que j'aimerais connaître et que peut-être l'avenir me donnera la chance de connaître. Je voudrais pour commencer rester un petit instant sur ce titre parce que vous avez été très nombreux sur les réseaux sociaux à partager votre propre interprétation de la motivation essentielle. Et vraiment, je me suis sentie si portée par vos inspirations, par vos élans. Que je sais qu'on est ici dans une communauté de coachs, qu'on est comme si on était entre nous avec une sorte de lien familial, parce que tout de suite, vous avez trouvé cette connexion à l'énergie profonde, au sens, à la quête de sens, à l'essence de l'individu, cette connexion à la possibilité du flow, de la cohérence, de l'alignement, de la joie vibrante, du rayonnement et du partage, que finalement, au lieu de dérouler toute cette présentation, j'aurais presque été tentée de dire, mais ayons une grande conversation tous ensemble. Ça n'est pas le format qui est proposé aujourd'hui. Ça n'empêcherait pas qu'on devrait peut-être organiser ça une fois. Et je veux aussi rester sur le titre parce qu'il y a motivation et coaching. Et on peut présenter une chose par son antithèse, c'est-à-dire la démotivation. Et je voudrais éveiller un point d'attention pour nous les coachs. C'est que quand dans un coaching, soi-même ou bien son client, mais surtout son client, montre des signes vraiment très forts de démotivation, il faut peut-être aller chercher dans un registre qui outrepasse le registre du coaching, c'est-à-dire celui des problématiques psychologiques. Et je le rappelle, c'est un point d'éthique qui me tient vraiment à cœur. Soyons toujours bien éveillés, bien capables de communiquer. Les problèmes d'anxiété, les problèmes de dépression s'adressent à un autre thérapeute. Donc, on va revenir à la motivation et la vraie et la motivation essentielle que je voulais vous présenter aujourd'hui, avec ce titre aussi et cette question. Comment réussir à se motiver pour réussir? Non, mais franchement, c'est de la pure provocation, cette question. Il y a très peu de chances qu'on finisse par y arriver dans 1 heure, quoique les miracles arrivent, et j'y crois beaucoup. Donc, on va y croire aussi, mais je voulais aussi vous dire qu'il y avait un point central dans cette question, c'était le pronom ce. Parce que, en termes de motivation, chacun doit faire le chemin pour son propre compte, en fait. Réfléchir, chercher, se tromper, s'adapter, affiner ses perceptions et éveiller sa conscience. Donc, dans ce webinaire, ce que je vous invite à faire, c'est un partage de réflexions et d'expériences, et ça va être seulement une approche de sensibilisation du sujet. J'ai envie de vous donner l'appétit de ce sujet, l'envie de la découverte, comme je l'ai de façon si passionnée depuis très longtemps.
Alors, je vous invite à vivre vraiment ce temps d'échange, même si je ne vous vois pas et je n'ai pas, à part quelques pauses, l'opportunité d'échanger en direct avec vous. J'ai quand même la sensation, et ça c'est magnifique, qu'on est connectés tous ensemble. Même si on regarde la même chose, on échange les mêmes idées, et c'est mieux de le vivre plutôt que de le réfléchir. Alors pour ça, il va y avoir des pauses. Il y a une structure aussi. Je vais vous parler de quoi parle-t-on en termes de motivation et plus précisément motivation essentielle. Et puis aussi pour qui et pourquoi ce thème est vraiment important, l'utilisation de ce sujet. Et puis également un petit peu de méthode, mais dans ce temps-là, on ne pourra pas tout couvrir. Alors ce que j'ai prévu, c'est que vous aurez à disposition des slides qui reprendront les mots-clés et qui vous offriront en fin de présentation des références qui vous permettront d'aller plus loin, de pianoter sur Internet et de continuer ce parcours de découverte. En fait, ce webinaire, c'est une mise en appétit. C'est l'apéritif du sujet de la motivation essentielle. C'est d'ailleurs presque l'heure aussi de célébrer ce moment de la soirée. Et je vous ai proposé trois dimensions de la perception de la motivation essentielle, celle qui est tout à fait à l'intérieur de vous, celle qui vous connecte aux autres, à ceux que vous connaissez ou que vous allez connaître, et puis à votre contexte le plus large, c'est-à-dire votre lieu de travail, votre organisation ou bien votre famille, ou bien votre lignée générationnelle, ou bien encore à plus grande dimension, votre communauté, votre appartenance à l'humanité, au cosmos tout entier, à vous de savoir quel est votre contexte le plus large. Et c'est dans cet espace-là que vous aurez la possibilité de percevoir votre motivation. La plupart d'entre vous ont apprécié et aimé les questions que j'ai posées sur votre motivation essentielle, quand elle est au top. Elle dépend de quoi pour vous, pour les autres, un peu plus pour le monde à nouveau. Et pour moi, la motivation essentielle, elle est une connexion de motivation essentielle ME, comme le mi, moi, moi unique, connecté au nous. Et c'est également un axe important de la motivation essentielle. Nous sommes tous uniques. C'est incroyable que nous soyons des milliards d'individus unique. Et cette unicité, elle a vraiment une raison d'être. Donc, encensez-la et nourrissez-la. Et c'est quelque part ce que j'ai pas hésité à faire en préparant cette slide, en vous disant que ce qui nourrit ma motivation essentielle au quotidien, c'est l'optimisme et la résilience, et que c'est la métaphore de l'art japonais du kintsugi qui m'inspire souvent. C'est poteries brisées qu'on répare avec des coulées d'or et qui deviennent des objets encore plus précieux à cause de leurs blessures. Un autre axe de la motivation essentielle que j'apprécie, c'est la curiosité pour l'apprentissage et les leçons des maîtres que j'ai eus. Il y en a une qui me tient à cœur de partager ici, d'autant plus que ce célèbre coach et inspirateur du coaching est même pionnier. Sir John Whitmore est décédé l'an dernier en laissant un message, une présence et en particulier une citation qui m'a toujours inspirée. Le coaching est plus que le coaching. Coaching is more than coaching. Et pendant longtemps, j'ai pas tout à fait capté peut-être ce que c'était. Et maintenant, j'ai envie de partager avec vous que ce que le coaching peut faire pour l'évolution de l'humanité, dans cette période de transition, ce coaching dont vous êtes tous porteurs, il a une vraie valeur de transformation de la société et des relations entre nous, les humains sur cette planète, dans la paix et l'harmonie. C'est donc quelque chose qui stimule ma motivation essentielle. J'ai également un engagement pour lequel je m'inspire d'une des règles du réseau Human System Dynamics avec lequel je travaille en ce moment, qui est cette année de m'engager dans une pratique joyeuse. Parce que quand on est une travailleuse acharnée,
hyper motivé, on peut oublier la joie du moment. Donc, c'est quand même quelque chose d'important. Et en fait, encore dernier élément, très important dans la question de la motivation essentielle, c'est ce que j'ai matérialisé par l'effet papillon, cet attracteur étrange du chercheur en météorologie Edward Lorenz, qui a compris le premier, au tout début des ordinateurs, qu'une petite variante de climat à un côté de la planète crée une tempête de l'autre côté de la planète. Il l'a nommé le battement d'aile de papillon, c'est pour ça qu'on l'appelle l'effet papillon. Et c'est tellement vrai, dans notre unicité et en coaching, une petite variante qui peut tout changer. Donc ne vous désespérez jamais de votre potentiel en termes de motivation. Et donc maintenant, quand on parle de motivation, de quoi parle-t-on? Eh bien, je sépare la motivation essentielle de la motivation engagement. Jetons un petit coup d'œil à la motivation engagement. La motivation engagement, c'est la motivation qui vient répondre à la nécessité d'un effort, au besoin de faire quelque chose qui permet de dépasser la difficulté. C'est souvent celle qu'on rencontre dans le milieu professionnel. C'est souvent celle qui est attendue par nos clients dans le monde professionnel. Je dirais, moi, que c'est ce qu'on appelle la dynamique du faire et que je place sur une ligne horizontale. Elle a bien sûr tout son sens d'exister, puisqu'elle engage au dépassement de soi, à la performance, et qu'elle est souvent liée à ce qu'on appelle en motivation des vecteurs extrinsèques, c'est-à-dire qui sont à l'extérieur, comme par exemple la hauteur d'un salaire pour un travail, ou bien les conditions de salaire. C'est en général dans le monde professionnel, comme à titre personnel, quand on a besoin de lutter contre la gourmandise et l'excédent de poids, contre l'arrêt du tabac, ce genre de motivation-là répond à des signaux et des manifestations, ce que j'appelle forts. Et elle a généré énormément de recherches depuis le début de l'industrialisation. Et on peut dire chronologiquement que les grands penseurs de la motivation jusque récemment était, on peut dire, Jung, avec les profils de personnalité qui sont encore énormément utilisés et qui servent d'assessment parfois de notre capacité à mobiliser nos talents. C'est Maslow, bien sûr, un des plus célèbres, et je vous montrerai rapidement son modèle. C'est McGregor, c'est Herzberg. Tous ces scientifiques qui ont publié leurs recherches ont eu leurs recherches utilisées dans le monde du travail pour cette question d'engagement. Regardons un petit peu les travaux de Maslow. Sans doute un des plus célèbres. Maslow, il a publié ses travaux dans les années 60, au siècle dernier, et il a été reconnu pour la pyramide des besoins. En fait, si vous regardez plutôt le motif que j'ai positionné à gauche, la hiérarchie des besoins selon ses publications, c'est plutôt une ligne interdépendante où les besoins s'imbriquent les uns avec les autres. Pour des raisons pédagogiques, pour des raisons d'utilisation simple, c'est souvent une pyramide qui est représentée. Avec les besoins physiologiques, bah, évidemment, si on surmonte les efforts à faire pour se lever le matin et aller au travail, souvent les gens vous diront c'est pour le salaire et si je gagne au loto, pouf, j'arrête. Et puis il y a bien sûr le besoin de propriété, d'acquérir un certain confort, et puis ensuite les besoins d'appartenance, ça suffit pas ça. Et plus on monte dans la pyramide, et plus il y a la question de l'accomplissement personnel. Alors ce schéma-là, il marche de moins en moins bien. Il marche de moins en moins bien parce qu'on constate très facilement qu'il ne suffit pas d'avoir un salaire et même des conditions de travail décentes
pour se sentir engagé dans son travail. On a besoin de plus. Alors maintenant, les organisations, les entreprises, les structures de travail raffinent les capacités de management, de responsabilité, de capacité de maîtrise pour stimuler justement cette sensation d'appartenance et d'accomplissement personnel. Et puis, la digitalisation, la rapidité, l'accélération du changement a modifié énormément de paramètres dans la collaboration et dans la capacité d'engager son énergie, puisque on peut considérer que motivation et énergie sont quasiment des synonymes. Motivé, au sens étymologique du terme, c'est se mettre en mouvement. Et se mettre en mouvement, c'est être rempli d'énergie pour le faire. Donc voilà qu'on va maintenant pouvoir, après avoir vu ces basiques, rentrer dans l'espace de la motivation essentielle. Pour ce faire, chers amis, je vous invite à vous positionner dans le plus grand confort, à vous mettre à l'aise, à vous connecter à vous-même, à cette magie merveilleuse de l'être que vous êtes, et à prendre une grande respiration. Et nous tenterons d'en prendre plusieurs pour faire des pauses. Et peut-être, Yotis, à ce moment-là de cet échange, tu as peut-être un partage, des commentaires pour que je sache que vous êtes là et que nous sommes connectés. On a quelques réactions. La motivation essentielle, donc nous demande Karine, la motivation essentielle peut-elle être assimilée à l'ikigai? Oui. Le cheminement à petits pas, oui. Alors, nous en avons d'autres. Il y a pas mal de personnes qui t'envoient beaucoup d'énergie positive. Il y a Sybille qui nous dit « Je suis en énergie, merci ». Rime qui nous dit « Très belle mise en la matière ». Voilà, pas mal de réactions. Et en plus, maintenant qu'on en parle, il y a de plus en plus de réactions. Johanna qui nous dit « Gratitude pour ce partage ». Voilà, Anne qui nous dit « Tout va bien, relâchement et merci pour l'énergie et le partage ». Donc voilà, ça continue. Alors, il y a une question de la part de Hélène. Est-ce que la motivation essentielle est aussi la même que la motivation primaire en ANC? Donc, ANC, approche neurocognitive et comportementale. Oui, tout à fait. On est au cœur du sujet avec la motivation et on va le voir avec la méthode que je propose. Merci Hélène de cette précision. Il y a Mireille qui nous dit « J'attends la suite avec impatience et ils sont pas mal à l'attendre ». Donc, je te laisse continuer. Alors, plongeons et allons dans la suite avec la question de la motivation essentielle. Et vous comprenez le parallèle ou plutôt le croisement avec la motivation, engagement que je traçais sur une ligne horizontale. Cette motivation essentielle, elle est liée à la dynamique de l'être. On a parlé de l'unicité et je l'assimile à une ligne verticale. C'est évidemment un espace où chaque individu dans son unicité est en connexion avec lui-même et en connexion avec l'autre, un autre quand on parle de coaching ou les autres quand on parle de coaching d'équipe, avec d'autres outils que purement son aspect comportemental, justement, avec l'intégration d'autres éléments qui ont toute leur place et qui sont stimulés par cette dynamique de l'être, comme l'intelligence intuitive, comme l'utilisation du moment, du champ, comme on dit, de la relation entre le coach et le coaché, de cette vibration énergétique de l'instant, de la synchronicité des choses, de la magie, de la connexion du moment. J'ai eu il y a quelque temps un coach qui me proposait un enregistrement pour son application MCC et qui avait utilisé un moment où son coaché
devait changer d'environnement et carrément changer de salle en plein milieu d'une séance de coaching. Et il a utilisé cet élément-là de façon extrêmement naturelle et intuitive pour dire, mais est-ce que ce changement de siège vous dit quelque chose? Et c'est exactement là qu'il y a eu l'engouement de continuer et de creuser plus à fond pour le client et de trouver sa motivation, sa mise en mouvement vers son objectif. C'est également l'espace d'une transformation créative, d'une transformation où on part vers un objectif et où on découvre en chemin une multitude de cadeaux supplémentaires. Donc cette motivation essentielle, elle va au fond des choses et elle nous appelle à la présence et au momentum. C'est-à-dire qu'on ne peut pas anticiper toute la richesse de cet espace d'être vraiment sans considérer l'instant. Si on devait dans cet instant, dans cet espace de relation qui nous est proposé, même de façon virtuelle, mettre ensemble toutes nos idées, toutes nos perceptions, on créerait une vibration, et d'ailleurs je pense qu'on crée une vibration qui est unique. On a une identité entre nous tous et on a une identité individuelle. Ce lien entre l'individu et le collectif, c'est un des liants de la motivation essentielle. C'est comme l'essence, une personne a comparé le mot essentiel, l'a décompté en essence comme l'essence pour un moteur. C'est à la fois le moteur qui nourrit son essence et l'essence qui nourrit le moteur. C'est un système hybride, la motivation essentielle. Ça se recharge en l'utilisant. Et ça ouvre tout l'espace de l'identité. Alors bien sûr, on a tout l'espace de l'ossature d'une identité, les croyances, les valeurs, la vision, la mission. Mais cet espace plus subtil des intuitions et puis des sens, des perceptions sensorielles. Et puis là, j'ai dessiné pour vous, autour de votre identité d'individu et de coach, différents parcours d'étapes qui sont liés à la motivation essentielle et à la relation de la motivation essentielle et du coaching. Il y a la question, bien sûr, du challenge. La motivation essentielle, elle invite quand même à se nourrir de cet espace qui nous est propre. On apprend tant de choses quand on est enfant et on a appris par les neurosciences qu'on continue tout au long de sa vie, sauf maladie cérébrale, d'apprendre et de faire évoluer son cerveau. C'est la neuroplasticité, c'est la bonne nouvelle des neurosciences. Donc, on a besoin de continuer avec cet espace des neurosciences, du challenge et également de l'énergie et de la conscience toujours augmentée, toujours en espace de mouvement. Et également la connexion à tous les autres. Et la connexion à plus grand que soi. Pour la plupart d'entre nous, qu'on se connecte de façon régulière à un espace de spiritualité, ou bien qu'on le découvre au fil des expériences de la vie, cette connexion, elle nourrit notre être profond, la dynamique de l'être. Et puis, il y a la question de la nature de nos relations, cet espace de confiance qui nous est offert dans l'instant. Et aussi l'enfant intérieur, la créativité, le plaisir du jeu, l'humour, la capacité d'autodérision aussi. Tous ces éléments qui donnent de la légèreté, qui permet peut-être aussi d'utiliser cet outil d'élaborer des règles simples, de savoir à quoi on veut se rattacher pour nourrir sa motivation. J'ai parlé tout à l'heure de m'engager dans une pratique joyeuse. Pour d'autres, ça va être de rester en contact avec l'amour des siens. Tout ça, c'est des éléments qui vont être à considérer comme, non pas comme un cycle où il y a une étape après l'autre, mais un petit peu tout en même temps comme un canevas, comme une trame dans laquelle on peut
poser sa présence, accueillir la présence de l'autre et travailler cette dynamique de l'être qui stimule la motivation essentielle. Il y a tellement de choses à dire que je pourrais en dire beaucoup. Je voudrais à nouveau vous donner l'opportunité d'une grande respiration et d'une connexion à vous-même et à votre objectif à vous. Cette motivation essentielle qui vous est accessible, si elle vous servait pour votre objectif maintenant, qu'est-ce qui vient à vous dans vos réflexions? Qu'est-ce qui s'éveille à vous? Il y a des questions. Est-ce que je dois... Prends, Yotis, oui, je les prends avec plaisir. On a une question de la part de Brigitte. Qu'est-ce qu'on fait si le coaché diminue notre motivation essentielle pendant la séance? Oh, quelle richesse d'informations! Ça, c'est une information qu'il faut amener dans la conversation. C'est une information qui vise à dire qu'est-ce que vous croyez qui se passe dans cet instant pour que ma motivation s'en aille. C'est un élément très important. Je vais me permettre, Yotis, de ne pas écouter plus de questions, même si je brûle d'envie de les écouter et que dans cet espace d'échange, on apprendrait des tas de choses, pour inviter à une autre respiration avec cette image. Vous savez que j'habite dans les montagnes, dans la neige. Non seulement chaque humain est unique, il est unique et en renouvellement à chaque instant, comme les flocons de neige. C'est une belle métaphore et je vous invite aussi à méditer cette phrase de Fiona Adamson qui est une des inspiratrices du mouvement de supervision en coaching qui dit « Qui vous êtes détermine le coach que vous êtes. Utilisez pleinement la totalité de ce qui vient à vous, la totalité de votre présence, la confiance dans ce qui émerge dans l'instant et la conscience de le capter, de l'utiliser, de l'analyser. C'est tout un chemin, c'est une invitation. C'est évidemment pas dans cet espace qu'on va pouvoir aller plus à fond. C'est vraiment un chemin de découverte pour lequel j'imagine que tous les coachs, même les plus expérimentés, restent en chemin de découverte tout au long de leur parcours professionnel et leur parcours personnel. Je clôt le temps où on parle de quoi parle-t-on à propos de motivation pour venir rapidement, parce que je vois le temps qui court, à pourquoi c'est important la motivation essentielle. Eh bien, parce que nous sommes dans une époque très évolutive, il ne vous aura pas échappé, bien sûr, et je vous invite à une nouvelle respiration, parce que ce que je vais vous dire, moi, m'a coupé le souffle quand je l'ai constaté. Il existe à présent des robots thérapeutes. Et ces robots thérapeutes ont été mis au point avec de très sophistiqués algorithmes et l'intelligence artificielle arrive dans l'espace de la relation d'aide. En coaching, il y a des applications en ligne qui déjà se substituent et puis vont aider nos clients, par exemple, à pratiquer la pleine conscience. Et donc, j'imagine que la compétition n'a pas lieu d'être. Il est préférable de créer une complémentarité. Vous voyez ici un cliché d'image d'un robot thérapeute qui a été mis au point par l'armée américaine pour traiter les vétérans de la guerre. Et si vous avez la curiosité d'aller voir sur Internet, vous verrez qu'il y a effectivement des questions posées aussi fines qu'un coach pourrait les poser. La bonne nouvelle, c'est qu'après 2 ou 3 sessions, les vétérans qui ont préféré dans un premier temps interagir avec une machine finissent par se sentir suffisamment motivés, reconnectés à leur être pour être prêts à se mettre en contact avec un autre être humain. Ça, c'est la bonne nouvelle, mais c'est un point de vigilance pour notre développement d'activité et notre pertinence de présence et notre travail sur la présence en coaching. Ensuite, il y a des éléments d'évolution du futur du travail. En règle générale, cette arrivée de l'intelligence artificielle et de la digitalisation du travail, elle a été
mesurée par le World Economic Forum. Et en Suisse, on a une assemblée générale où une dame qui s'appelle Valérie Père est venue nous présenter les résultats de cette étude que vous pouvez aller consulter également sur le site du World Economic Forum et qui invite à ce que nos motivations diverses, engagements et essentiels auront besoin d'être redoublés. Parce que les machines vont nous challenger, nous allons devoir apprendre, j'ai pas traduit cette slide, je l'ai laissée comme elle était, chaque personne dans un futur relativement proche, les années 2025, devra s'adapter, intégrer de nouveaux comportements, de nouvelles compétences. Et ça demande une énergie et une motivation extraordinaire. Alors la bonne nouvelle, c'est que bien sûr, il y aura besoin de coaching et encore plus de coaching. Un coaching agile, toujours en adaptation, toujours plus subtil, toujours plus capable de capter les signaux subtils de la relation. Et donc pour inviter les clients eux-mêmes à rester dans cet espace d'agilité et même au niveau des organisations. Donc tout ça, c'est le pourquoi. Et nous voilà prêts à plonger complètement dans le dessous du niveau de la surface, de la motivation essentielle et du coaching. On sort des espaces convenus du question-réponse et de la quête de savoir. Savoir ou ne pas savoir, ça n'est plus la question. Il y a un moment où en coaching et en motivation essentielle, on s'éloigne du quoi, c'est-à-dire de l'objectif direct amené par le coaché, pour aller chercher en profondeur. Et à nouveau, c'est une invitation à la découverte, à l'utilisation du self, use of self, on dit en anglais, c'est-à-dire l'utilisation de soi comme instrument de facilitation de la connexion. Cet espace de la profondeur du dialogue au sens étymologique de l'échange de sens, de logos, et cet espace où c'est le lieu de la découverte et de l'émergence de ce qu'on n'avait pas forcément prévu. Et je vais vous amener à réfléchir, peut-être avec, je crois, Yotis, que j'ai zappé l'espace d'un sondage à un moment. Tout à fait, on peut le lancer. C'est quand même, oui, ce sondage numéro 1 qui m'invite alors, un petit peu à comprendre où vous êtes maintenant de la motivation essentielle. Je vais lancer donc le premier sondage. À propos de motivation essentielle, vous diriez, je lance le sondage, première possibilité, qu'elle est intégrée à votre façon d'être habituelle, qu'elle est dépendante de circonstances particulières, que vous savez la mesurer et l'adapter selon vos besoins, qu'elle ne fait pas partie de vos priorités ou autres suggestions. Alors, ça monte, ça monte, ça monte. Une réponse qui prend vraiment le dessus. Voici les résultats. Avec 48% qu'elle est intégrée à votre façon d'être habituelle, avec 32% qu'elle est dépendante de circonstances particulières, 16% que vous savez la mesurer et l'adapter selon vos besoins, 2% autres suggestions et 1% qu'elle ne fait pas partie de vos priorités. Ok, alors j'en déduis que quand même une grande majorité l'intègre ponctuellement ou régulièrement et qu'il y a encore un espace de développement de cette motivation essentielle. Cette motivation essentielle, c'est évidemment une démarche de changement. Et je voudrais vous inviter à repérer les phases du changement selon un angle un petit peu différent de ce que nous voyons d'habitude en coaching. Je voudrais vous présenter ces trois étapes de changement qui éveillent justement cette dimension de l'être et de la motivation essentielle qui va peut-être créer les plus grandes prises de conscience pour vous et pour votre client. Il y a d'abord ce qu'on appelle en science de la complexité et avec le Human System Dynamics, le changement dit statique, c'est-à-dire que tout change tout le temps. Votre biologie intérieure, l'air que vous respirez, donc le temps qui passe,
C'est ce qu'on appelle un changement statique. On n'a pas besoin de s'en occuper. Ça change de toute façon. Et en coaching, ça vaut la peine de faire repérer à un coaché et de repérer soi-même quels sont les changements statiques. Qu'est-ce qu'on ne repère pas et qui change quand même. Ensuite, il y a une deuxième étape qui est le changement proactif, qui est en général celui qu'on invite dans une démarche de coaching et dans la phase de contrat du coaching. D'où on va jusque là où on veut aller, quel est l'objectif, comment on va le mesurer. Et là, on se donne une sorte de feuille de route avec des indicateurs assez ciblés, qui peut être motivant, mais qui peut être encore plus motivant si on intègre la dimension dynamique du changement, c'est-à-dire un espace-temps de découverte, où ce qu'on croyait acquis, fixé, figé, est déjà un espace de découverte, le là où je suis, et le là où je veux aller est également un autre espace en mouvement et en devenir, où on va découvrir, chemin faisant, de nouvelles étapes. Je vous présente là un outil qui mériterait d'être élaboré et documenté pendant plusieurs jours dans un module. Donc évidemment, ça n'est pas avec ça qu'on peut seulement percevoir la complexité de ce modèle, mais je vous donne plus d'informations dans les slides. Et alors, pourquoi c'est utile? Ben parce que maintenant, il existe des modèles où on a besoin de considérer que notre client est prestigieux et que nous sommes un coach prestigieux dans l'instant et au futur. J'ai trouvé cette photo et c'est Jeff Bezos en 1999, comme on dit en Suisse ou en Belgique. Et on imagine cet homme. Et si vous étiez son coach, qu'est-ce que vous lui auriez posé comme question pour l'aider à devenir le Jeff Bezos qu'il est maintenant, qui pointe, qui a des conversations courageuses avec M. Trump et qui est, paraît-il, l'homme le plus riche du monde. Ben moi, je poserais ces questions-là. Quelle histoire vous imaginez pour votre futur et comment elle s'écrit? Quel est votre modèle? Et puis aussi, quels sont vos critères de référence? Quel est votre mode de pensée? Qui? Quoi? Pourquoi? Allez vraiment chercher tout ça. Et puis enfin, cette question d'énergie. Qu'est-ce qui vous donne de l'énergie? À quoi vous la repérez? Quand? Où? À quel niveau? Combien? Et puis quoi d'autre encore? Parce que ça, cet impact de la motivation essentielle, vous avez peut-être déjà, et vous êtes peut-être déjà vous-même, un créateur d'idées, de tendances extraordinaires qui feront une différence dans le futur. Alors, je ne connais pas Jeff Bezos et j'ai juste utilisé ça comme exemple. Ne me posez pas de questions sur lui, je n'en sais pas plus. Je vous invite maintenant à un autre modèle qui est très cher à mon cœur, qui est un modèle que j'ai en quelque sorte inventé, que j'appelle le SAM, Self Awareness Model. Il est inspiré du modèle de Bay, qui est complètement lié, Hélène, la question que vous posiez, aux sciences des thérapies brèves, des sciences cognitives et comportementales, où on élabore une grille de lecture d'une situation avec une séquence différenciée entre les pensées, ce qu'on pense de ce qu'on pense, les émotions, ce qu'on ressent et ce qu'on ressent à propos de ce qu'on ressent, les comportements, ce qu'on voit de ces comportements, ce qu'on observe, ce que les autres observent et quelles sont les conséquences pour soi, pour les autres, à plus grande échelle. Et c'est une grille de lecture dont on peut équiper son client et c'est pour ça que j'ai mis des couleurs. Parce que si on équipe son client en l'imaginant sous des chapeaux de couleurs, et c'est pour ça que j'ai utilisé les 6 chapeaux de Bono pour mixer deux modèles et le rendre facile à utiliser, c'est dans l'esprit qu'on peut ramener son client à dire « Si vous portiez un chapeau bleu et qu'on explore le domaine de la pensée, qu'est-ce qui se passerait pour vous ?» Et après, on simplifie les processus pour ne pas trop s'enferrer dans les détails et nourrir plutôt la gymnastique, de la conscience personnelle, des prises de conscience, de l'automatisme
et de la musculature de la conscience. Et ça, c'est un élément extrêmement nourricier pour la démarche de coaching, pour la lecture du coach et pour l'espace de progression du client. Dans le slide que vous aurez, je vous ai listé plusieurs questions possibles dans chacun de ces domaines. Et là, maintenant, Yotis, nous avons un autre sondage parce que je sais que j'accélère un peu le rythme parce que je suis soucieuse du temps, mais je voudrais quand même savoir, avec le sondage préparé, vous, qu'est-ce que vous utilisez majoritairement? Alors, donc, le prochain sondage, vous évaluez votre motivation essentielle et ou celle de vos clients en fonction de ce que vous comprenez, croyez, exprimez, donc vos pensées, ce que vous ressentez, vivez intérieurement, donc vos émotions, ce que vous faites, que les autres voient, vos comportements, là où vous en êtes, votre situation et d'autres critères. Alors, encore une fois, il y a une réponse qui prend le dessus, donc je vais vous laisser réagir. Alors, vous êtes bien plus rapide que lors du premier sondage. Voici déjà les résultats. Où je suis curieuse. À 75%, ce que vous ressentez, vivez intérieurement, vos émotions. 13%, ce que vous comprenez, croyez, exprimez, vos pensées. 7%, ce que vous faites, que les autres voient, vos comportements. 4%, là où vous en êtes, votre situation. Et 1% pour autres. Alors, bravo à tous parce que, évidemment, cette question de la conscience de soi, elle est très liée, bien sûr, et ça ne vous aura pas échappé, à l'intelligence émotionnelle, à la capacité de comprendre, nommer, maîtriser ses émotions, sélectionner les plus utiles. Et cela permet évidemment de se mettre en lien avec la compréhension des émotions des autres et de permettre de meilleures relations. Et c'est évidemment un élément fondamental de développement de soi. Et c'est une nourriture première de la motivation essentielle. Mais je vous invite également pour nourrir la prise de conscience de votre client, surtout sur le registre de sa motivation, de sa capacité à cheminer vers son objectif ou vers son objectif de plus de motivation, à explorer également les autres éléments. Ils sont peut-être moins, j'allais dire, sexy pour nous, les coachs, d'aller explorer les modes de pensée, les capacités d'apprentissage chez l'adulte, les grilles de lecture, d'apprentissage et de compréhension et d'analyse chez l'adulte, mais c'est quand même très important. De même que la perception en métaniveau de ses comportements. C'est également très important. Et je crois que la question des conséquences, quand on en prend conscience, c'est justement cette dynamique de l'être, de la motivation essentielle, qui va permettre ce que vous avez repéré dans la définition de la motivation essentielle, cette énergie, ce sens, ce partage, cette conscience de l'humanité, de la relation et de l'importance de l'harmonie entre nous. J'aurais beaucoup d'autres modèles que j'aimerais vous proposer en motivation essentielle, mais puisque c'est juste une mise en appétit que je vous ai proposée, je vais vous proposer de revoir maintenant les différents accès interdépendants, ça se séquence pas, mais interdépendants d'accès à la motivation essentielle, en particulier en coaching, c'est-à-dire le coach comme outil lui-même, vecteur de motivation, une présence qui invite la présence de l'autre avec toute une grille de nuances et de cheminements et d'orientations différentes. La question des étapes, des états du changement, en ouvrant l'espace de la complexité, en ouvrant ce changement dynamique qui n'ira peut-être pas de façon linéaire du point A au point B, mais qui permettra de très jolis méandres, très riches, très porteurs de nouveautés et de créations, très, très, très orientés vers la transformation profonde. Et on sait parfois que quand on veut modifier un comportement, il faut aller modifier très profondément
les mécanismes intérieurs. On sait parfois qu'en motivation, pour les gens qui ont un diagnostic de pathologie cardiovasculaire et à qui on dit il faut absolument changer de régime alimentaire, sinon votre vie est en danger. Eh bien, même cette menace de mourir, d'être très malade, ne suffit parfois pas à être un vecteur de motivation. Il s'agit d'aller nourrir les mécanismes très, très en profondeur. Donc, c'est vraiment un travail de fond, la motivation, et un travail où on invite le plus possible les prises de conscience avec le plus de discernement, le plus de relations et de confiance possible. Il se passera quelque chose pour peu que votre présence l'invite dans sa plénitude. J'arrive là à un moment où, qu'est-ce qu'on avait, Yoti ? Je suis un peu perdue, où j'aimerais maintenant entendre quelques questions avant qu'on passe au prochain sondage. Je voudrais savoir où vous en êtes, qu'est-ce que vous avez à dire maintenant ? Alors, donc, c'est le moment de poser vos questions. Je vais en piocher quelques-unes. Il y a de la part de Sylviane un bravo pour ton authenticité et ta beauté intérieure, Nathalie. Donc ça, c'est un message. Merci bien. Alors, si ce serait bien si Nathalie donnait des exemples concrets liés à sa pratique de coach, nous demande Brigitte. Oui, mais ils sont tellement multiples et divers. J'ai parlé de présence et momentum. C'est des moments de un d'hier, un directeur financier qui est en réorientation de travail, qui a perdu son emploi et qui recherche sa motivation profonde pour vraiment utiliser son dernier temps de carrière à faire quelque chose qui fasse cœur pour lui. Eh bien, à ma plus grande surprise, et vraiment, ce monsieur avec ses boutons de manchette et sa cravate n'avait vraiment pas le profil pour me dire ce qu'il m'a dit. Dans un moment de coaching et d'introspection en disant « Mais qu'est-ce si vous rêviez de faire quelque chose d'absolument nouveau de votre temps, ce serait quoi ?» Il me dit « Vous imaginez quand même pas que je pourrais faire le clown ?» Moi, je sais que les choses ne viennent pas par hasard dans une conversation. Et donc, j'ai dit « Ah oui, le clown ? Quel genre de clown vous pourriez faire, vous croyez ?» Et il m'a répondu, bon, j'y ai pas pensé. Oh, seulement clown, par exemple, pour aller aider les malades dans les hôpitaux. J'ai croisé quelqu'un qui faisait ça un jour, ça m'a beaucoup touchée. Ah bon? Et qu'est-ce que ça ferait si vous faisiez ça? Et là, des larmes. On avait touché en 30 secondes une motivation essentielle. On avait capté quelque chose. Alors, on est resté là, la conversation a continué de façon joyeuse. Je crois qu'il va aller essayer. Ou peut-être pas, ça je ne le sais pas. Je n'ai pas voulu pousser plus loin. Je suis restée en profondeur pour laisser émerger cet espace d'identité profonde. Je ne sais pas si ça satisfait Brigitte. J'aurais des milliers d'exemples à donner, des milliers. Le temps nous est coupé, c'est ça qui me... Donc je vais encore en prendre une seule. Tar demande, peut-on parler de motivation sans parler de sens? Je crois que c'est dépendant de chaque personne. Je reviens à ma question d'identité unique. Je crois que ce qu'on met dans les mots va être très différent d'une personne à l'autre. Il va peut-être y avoir des coachs d'ailleurs et peut-être moins les coachs parce que nous travaillons sur la question du sens, de l'alignement, des valeurs. Nous avons fait un chemin de développement personnel. Donc pour nous, coach, la question du sens, elle est fondamentale et elle va être moteur de motivation bien sûr. Peut-être que pour nos clients, c'est pas la bonne voie d'accès. Il faut être bien sûr d'aller les interroger là où ils ont des connexions avec leur identité profonde. La plupart du temps, oui, la question du sens chez beaucoup d'humains est fondamentale, mais pas toujours au premier niveau de la conversation. Donc, c'est un oui et non que je dirais.
Alors à ce moment-là, nous allons conclure, chers amis, et je ne sais pas à quel point cette heure est passée aussi vite. C'est absolument injuste, Lyotis. Et donc, pour conclure, je vais proposer un choix dans ma conclusion. Je suis passionnée de neurosciences, de psychologie positive et d'approche systémique. Je l'ai dit, je fais une combinaison de ces diverses approches pour créer des outils et pour créer des accompagnements. Et donc, pour conclure, je voudrais conclure en utilisant l'un ou l'autre de ces courants de recherche. Et je vous laisse le choisir avec ce sondage numéro 3, Lyotis. Alors, pour le troisième sondage, pour renforcer votre motivation essentielle et ou celle de vos clients, et pour conclure, préférez-vous une suggestion issue des neurosciences, de la psychologie positive, de l'approche systémique, autre choix. Alors là, ça va bien plus vite que les deux autres sondages. Votez vite parce que vraiment, je suis en train de voir là à l'instant des 33%. Donc, je vous laisse réagir. Ceux qui n'ont pas encore réagi, on a dépassé, on est presque au 80%, et il y a deux 33 qui sont là en pole position. Donc, ça continue à monter, mais les 33 sont toujours là. Donc, Nathalie, je te propose que je choisisse alors. Pour... alors, je voudrais vous dire déjà que je ne m'attendais pas à vous priver de quelque chose. Donc, sur les slides que je partage, je propose les trois options. Mais pour une question de gestion du temps, vas-y, Lyotis, dis-moi. Oh là là, c'est vraiment pas bon. Donc, je vais donner quand même les résultats. 33% neurosciences, 33% la psychologie positive, 30% l'approche systémique et 4% autre choix. Vu que je dois faire un choix, en tout cas couper, on va prendre les neurosciences. Alors, en avant pour les neurosciences, avec cette révélation des chercheurs en neurosciences qui fait que notre cerveau est tellement bien équipé en transmission d'informations qu'il fait une différence relativement moindre entre la réalité et la réalité inventée. Et ça, c'est une indication extraordinaire parce que c'est un outil pour réussir, puisque c'était le but de notre conversation aujourd'hui, comment réussir à réussir. Eh bien, vous pouvez projeter dans votre cerveau autant de fois que possible votre réalité inventée. J'ai travaillé avec un homme qui s'appelle l'abbé Perrin, qui était le recteur de mon université, et il avait été emprisonné et il avait pendant la guerre, et il s'était retrouvé avec un groupe d'intellectuels dont Sartre. Et ils se retrouvaient tous les soirs pour un moment où ils n'avaient rien à manger, mais où ils s'inventaient des repas pantagruéliques. Et c'était au début une torture et ils y ont vite pris goût. C'est-à-dire qu'ils ne mangeaient pas et ils décrivaient le raffinement du repas. Ils se recevaient virtuellement à tour de rôle. Eh bien, croyez-le ou pas, ils ont perdu moins de poids que les autres prisonniers. Donc, le potentiel du cerveau, c'est à ce point-là. Donc, pour réussir à réussir, prenez l'accomplissement que vous rêvez d'avoir, aidez vos clients à faire ce travail-là aussi et raffinez-le avec tous les sens possibles, si vous réussissez. Et c'est comme ça qu'on est parti dans l'espace. C'est parce que quelqu'un a rêvé d'aller dans les étoiles un jour. C'est le même processus. Parfois, c'est une réussite individuelle. Parfois, c'est une réussite collective. Et j'aurais voulu vous en parler pendant très, très longtemps. Je termine avec cette jolie slide qui m'a été offerte par Claudia Steno, qui est une amie et qui fait du graphic report. Elle ne parle qu'anglais et elle m'a vue dans un autre workshop. Je voudrais la saluer ici. Un grand merci, Nathalie, pour cette belle présentation. J'aimerais également remercier Nefissia Karboul qui a répondu à toutes les questions techniques. Alors, Nefissa est l'une des représentantes de l'ICF Synergie en Tunisie et également membre de l'ICF Tunisie. Bonsoir Nefissa, où es-tu?
Bonsoir. Bonsoir Nathalie. Vous avez eu beaucoup d'éloges lors de ce webinaire. Merci. Très intéressant. Merci Nathalie. Merci pour cette belle illustration. Merci Nathalie. Bravo Nathalie. Trop vite. J'ai adoré. Trop vite. Mille merci pour ce magnifique webinaire. Donc, beaucoup d'éloges. Pas Merci d'intervalle beaucoup. médical aujourd'hui. Heureusement. Nous vous remercions d'avoir assisté à ce webinaire. Chez ICF Synergie, nous trouvons notre motivation à travers vos actions, vos commentaires et vos likes. Merci à tous ceux qui réagissent sur les réseaux sociaux et qui créent autant de motivation chez nous. Alors, nous vous attendons sur YouTube. Continuez à commenter, par exemple, ce replay, cette vidéo-ci, ou alors d'autres. Merci de réagir. Merci de nous montrer que vous aimez ce que nous faisons. Nous continuerons comme ça grâce à cette motivation que vous créez chez nous. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une excellente soirée où que vous vous trouvez. Et Nathalie, je te laisse le mot de la fin. Chers collègues et chers amis, c'est vraiment tellement à la fois émouvant de savoir qu'on est si nombreux et frustrant de ne pas pouvoir discuter en live comme ça que je crois, Ryotis, qu'il faudrait penser à faire les nuits du coaching. Ça ne nous suffit pas une heure. Je crois que je partage le sentiment de il n'y en a pas assez et c'était un privilège de pouvoir me connecter à vous tous et d'imaginer cet effet papillon, cet effet boule de neige pour continuer comme dans mes montagnes, que ce thème de la motivation pourra prévoir et puis tout ce qu'on pourra réaliser et tout ce qu'on pourra permettre pour un monde meilleur. Merci à tous. Merci Nathalie, merci Néfissa, au revoir. Merci Néfissa aussi.